produire de la confiture au rythme d'une usine. Ces trois bénévoles de la banque alimentaire s'y emploient. On fait cuire nos fruits, on en passe une partie au tamis pour avoir un coulis qui va nous permettre d'avoir une texture plus agréable. Et une fois que c'est prêt, donc c'est le cas là, on va mettre nos confitures dans les bocaux. Un projet au profit des associations de lutte contre la précarité alimentaire. Nos partenaires nous font des commandes en fonction du nombre de familles, de leur fréquence de distribution. Donc là, sur le bon de commande, ils peuvent mentionner les quantités souhaitées et donc la confiture de la même façon. Si le partenaire souhaite 5 kg ou 30 kg, il met en fonction de ses besoins. Depuis une semaine, 550 pots de confiture sont produits. Une production qui revalorise des contenants en verre usagés grâce aux dons de particuliers, mais aussi des fruits donnés par des industries agroalimentaires et des agriculteurs. On va avoir des produits qui vont être abîmés, des produits qui vont être juste hors calibre, c'est pour ça qu'ils ont été refusés à la distribution, ou des produits qui sont arrivés avec des trop grosses quantités. Donc on a des belles opportunités qui nous permettent de pouvoir proposer des produits également de qualité. Pour pérenniser cette activité, la Banque alimentaire recrute de nouveaux bénévoles. Des journées portes ouvertes sont organisées le 11 et 12 octobre.